C'est un long voyage qui nous attend. Ces tombeaux anciens n'auraient pas tenu tout ce temps s'ils avaient été faciles à trouver. Je suis prêt à relever le défi. Je vois ça, oui. Je suis ravie que tu crois en ce qu'on cherche à accomplir. J'y ai toujours cru. Depuis que je suis novice, je crois en la Force. Ces noms sur la liste, c'est une épreuve. Et je pense être à la hauteur. J'apprécie ton assurance. Une mission comme celle-ci peut te pousser dans tes derniers retranchements. Oui, je comprends. Je me sens prêt. Nous serons là pour toi, Cal. Le monde natal des Efo. Cordova a dû y passer beaucoup de temps. Cordova a passé sa vie à parcourir la galaxie pour en étudier l'histoire. Et il m'a emmené avec lui très souvent. C'était très instructif. Le passé était important pour lui? Il croyait avant tout en l'avenir. Mais l'avenir n'existe pas s'il n'y a pas de passé. On capte quelque chose? Rien de nouveau, mais ça reste dangereux. Je suis pas sûr qu'on ait le choix. Si, on a toujours le choix. Mais ce que l'Empire a anéanti, délaissé, ce qu'il a asservi, ces gens-là comptent sur nous. Sur toi, Cal. Je sais. Et je suis content de pouvoir compter sur vous deux. C'est normal. Il faut qu'on se serre tous les coudes. C'est notre seule chance de gagner. Toujours pas de Stormtroopers en vue. Ils ont dû partir à la recherche du tombeau. Tant mieux pour nous. Mais les grottes en seront remplies. Je ferai mon possible pour suivre leur déplacement. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. L'Empire ne cède pas de terrain. Je sais. Je partage ta vision. Faites attention, d'accord? Toi aussi. C'est par là? D'accord. Tout ce qu'on a vécu ensemble? Et comment? Il est là, juste là! Couvrez-moi! Attrapez-la!
BD, j'aurais besoin d'une surcharge, là. Je te remercie, BD. On se rapproche. J'ai remarqué ça tout à l'heure, une sensation bizarre dans mon ventre. Au début, j'ai cru que c'était la cuisine de Grise. Maintenant, ça s'intensifie. Je crois que plus on approche et plus je me sens mal. Ça ne me dit rien qui vaille. Tyrolienne, ça te tente? Ce moteur devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que ça donne? On doit pouvoir atteindre le tombeau. Salut, BD. Thank you.
un Jedi. T'es terriblement faible. Je te montrerai pas. Le sabre ne m'arrêtera pas. Fais voir ça. Je... Liscan BD. Beau travail, BD. Un ouvrier a laissé ses outils. Il avait espéré trouver les reliques, mais il se souciait peu de l'aspect historique. Kestis, comme c'est prévisible. Oh oui, je connais ton nom, ton passé, mais je connais surtout un certain Enno Cordova. Dis-moi, où a-t-il caché cet holocron ? Incroyable. Je te détruirai. J'ai enduré bien pire que ça. Par ici. Tes capacités sont illimitées.
Tu progresses. Pas aussi doué que l'ancien apprenti de Serré, mais pas mal cependant. Quoi, t'as pris des notes? Étonnant qu'elle ne t'ait rien dit. Serré n'a jamais su garder un secret. Et tu la connais si bien que ça, hein? Elle était faible. Elle a craqué sous la torture impériale et révélé la cachette de sa jeune padawan. Il ne m'aurait jamais trouvé. Si elle n'avait rien dit, elle m'a abandonnée. Tu es Trilla. En chair et en os. Je ne te laisserai pas me manipuler. Tu es bien sûr de toi. Quand elle a été confrontée au choix de sauver sa vie ou sa padawan, elle a fait preuve d'égoïsme. Elle te trahira aussi un jour. Eh bien, je sais me débrouiller tout seul. Tu as vraiment envie de t'y risquer? Ton nouveau maître a une part d'ombre en elle. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a découvert ce qu'ils avaient fait de moi. Elle a sombré et dévoilé à tous sa vraie nature. Elle a été puisée dans le côté obscur. Elle a coupé ses liens avec la Force. Oh! Combien de temps lui faudra-t-il avant de te trahir? Est-ce que tu veux vraiment être avec elle quand tu trouveras l'Holocron? Qu'en penserait Jaro Tapal? Tu n'as pas le droit de prononcer son nom! Je me demande, que dirait-il s'il pouvait voir son padawan aujourd'hui, rôdant dans les ténèbres aux côtés de cette traîtresse, lui donnant accès à une légion entière de pauvres disciples dociles? Je ne laisserai personne les toucher. Je disais la même chose avant. Merci pour le coup de main, BD. Tu m'as sauvé la vie. Et tu nous as rapprochés du tombeau. On l'a trouvé. Il a l'air différent de l'autre tombeau. J'en sais rien. Mais ça me plaît pas. Je l'ai trouvé. Serré. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que c'est une menteuse. Toi? Comment? J'ai détourné vos communications dès l'instant où tu as essayé de la contacter. Le piratage de transmission codée a toujours été un de ses passe-temps préférés. Elle m'a montré comment faire. Il n'y a pas une seule technique de Serré que je n'ai pas perfectionnée. Mm-hmm.
T'as trouvé quelque chose? Mon ami, il semble que ces appareils simulent la gravité de la planète. Je ne peux m'empêcher d'y voir un motif. Tu n'as plus beaucoup de temps. De temps pour quoi? Mes éclaireurs ont découvert un artefact intéressant au fond de ce tombeau. Je l'étudie en ce moment même. Il m'apprend ses secrets. On dirait que Cordova les aimait bien, ses défauts. Peut-être au point de cacher l'holochrome parmi leurs dépouilles. Ouais, c'est ce qu'on va voir. D'autres soldats pénètrent dans ce tombeau à chaque seconde qui passe. Tu as peur de m'affronter toi-même? Si ton droïde n'était pas intervenu, je t'aurais tué sans aucun effort. Laisse tomber, BD. N'écoute pas ce qu'elle dit.
J'ai repéré. On gère. Lâchez rien.
les artefacts que l'Empire aurait manqué sans... sans intervention sur cette misérable planète. Est-ce que ça en valait la peine? Il paraît que le projet Foreuse vous a coûté cher. Des Stormtroopers et des ouvriers. Rien d'irremplaçable. Tu es un monstre. Je suis ce que Ciré a fait de moi. L'artefact à mon vaisseau pour l'analyser. Dommage que tu sois arrivé tout seul. Peu importe ce que tu as fait, tu ne le comprendras jamais. Mais toi, oui. Tu le sauras bien assez tôt. Je vais prendre le risque. Ils ne nous ont pas vus. Reste sur tes gardes.
J'ai remarqué quelque chose en examinant ce sarcophage. Il est plutôt pratique si on a besoin de se débarrasser d'un indésirable. Tu m'as attiré ici. C'était ton plan depuis le départ ? Tu n'es vraiment bon qu'à trier la ferraille. Hé ! À l'intrus ! Ne le laissez pas s'enfuir ! À l'attaque ! Allez ! Ah ! Ils sont en tir ! Ah ! Ah ! Ne nous échappera pas ! Attrapez-le ! Encerclez-le ! Ah ! Battez-vous, bande de lâches! Continuez! Oui! Serre! Sois maudit! Ne laissez pas s'enfuir! Mort au Jedi! Padawan, où est la Force ? Elle est partout. Elle est en moi et autour de moi. C'est exact. La Force te connecte. Il peut arriver que tes émotions, ta peur ou ta fatigue te trompent. Tu te sentiras seul, isolé. Ce n'est qu'une illusion. Ton sabre laser est ici, hors de portée. Mais vous restez quand même connecté grâce à la Force. Ressens cette énergie qui t'enveloppe et saisis-toi de ton arme. La Force est en toi, autour de toi. Elle te lie à ton arme. Libère-toi de toute distraction. La Force est avec moi. Elle nous connecte. Oui, je crois. Survécu. Ça perturbe tes plans ? Heureusement, je prévois toujours une marge d'erreur. Je vais faire.
contact. Attaquez la cible. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
entre toi et moi, Jedi. Mm-hmm.